Et yop tout le monde, c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon LP sur Chaos PVP. Donc on se retrouve sur ma base full Opsi. Donc on a miné énormément avec Iso et je tiens à faire aussi une dédie à XGamerX car il a miné je crois 8 stacks d'Opsi pour nous aider pour la base. Donc merci à lui. Donc là on a fait des coffres Protect. Donc si on full table d'enchant normalement impliable, donc on verra s'il y a des cheats en passant le serveur. Donc vous voyez, j'ai déjà farm quelques bouquins. Il nous reste encore masse d'opsies, donc ça c'est plutôt pas trop mal. On commence à avoir masse de kits et tout, ça c'est franchement posé. Donc je suis posé. Oui, il me reste même des tables d'enchant et tout. Donc ça, pourquoi j'en ai eu autant? Parce qu'à un moment hier, il y avait un mec qui envoyait des boots, du coup ça faisait crash le serve, ils ont dû redémarrer le serve et ça m'avait fait dupliquer mes tables d'enchant, donc bon je leur ai dit mais bon ils me les ont laissés, donc c'est bizarre. Voilà ton étiquette. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire peut-être un peu la déco de la base et je pense après vous laisser avec un petit pillage. Bon on va faire un peu la déco, on va faire les coffres. Là j'ai le kit KO à vous montrer, je vous l'avais pas montré, là je l'ai. Hop, donc kit KO c'est tout ça, full P2, T3 et après que des FI3, donc c'est un kit pas trop mal. Hop. Alors, slash craft. On va faire des coffres. Donc aussi je vais vous montrer mon under. Donc j'ai deux spawners à golem, 11 œufs de creep, 13 pommes sheet, un peu de stuff P3, des livres assez bien on va dire, des heals, bon j'ai mis un peu de bordel dans mon under chest mais bon. Donc tout ça je les ai eu parce que j'avais investi 20 € sur le serveur pour qu'ils puissent acheter le nouvel hébergeur. Donc voilà, donc là je sais pas ce qu'il a fait comme délire. Alors on va mettre déjà les coffres. Donc là c'est pas des coffres vraiment très très protect, hein. C'est vraiment temporaire. Hop, on va aller voir là-dedans. Hop, une petite effie. Hop. On va jusqu'en haut. Hop. C'est beaucoup de coffres tout ça. Donc il n'y a que Isocrate dans ma BP, c'est un mec que je connais depuis longtemps. Donc dédié à lui aussi. Alors, il me reste du bois. Il ne reste plus qu'un stack de bois déjà. Ok, on a vraiment plus de bois. C'est la dèche. Voilà. Donc maintenant le site est ouvert, il n'y a plus aucun souci, vous pouvez acheter vos grades dessus. Hop. Bon, pour le moment j'ai que ça comme coffre, mais bon, on va quand même les protéger. Hop. Hop là, alors. Je déteste ces vieux bugs. Voilà. Je vais lutter pour poser la première source. Surtout qu'après, je dois mettre ça et ça. Normalement, ce qui est bien, c'est vu que je suis Chaos, je peux respirer sous l'eau, car j'ai les avantages de ange et de démon. Ce qui est plutôt pas trop mal dans le genre. Et après. Ah ouais, je vais lutter. Donc on se retrouve dès que j'ai fini de mettre l'eau. À tout de suite. Donc re les gens, donc là j'ai fini de mettre l'eau. Donc là c'est vraiment You were pas moved. des coffres. Ok, pourquoi on m'a move? Channel Ok. switched. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc les coffres là c'est bon, ils sont plutôt
protect. Bon, c'est vraiment pas des coffres bien protect, hein, ils sont facilement pétables. Mais c'est vraiment des coffres comme ça, vite fait. Donc, s'il y a d'autres, je vais peut-être faire un peu de déco. Là. On va voir. Si on peut faire quelque chose de swag. Hop. Tac. Faire des choses avec des escaliers. Chose sur les côtés qui montent, on va voir ce que ça peut donner. Je fais combien d'auteurs là? 1, 2, je monte encore de 1. Hop, ok, fail. Ok, là si je fais cette hauteur, ça devrait être bon. Plutôt pas trop mal. Ok, donc si on faisait un petit truc croisé comme ça. Ok. Comment on pourrait faire la déco? Je suis pas le spécialiste de déco, moi. Il se croit drôle en plus. Va m'agacer, il va le kill. On va faire quelque chose de simple. Alors franchement moi perso je suis pas non plus une bête en déco là, même avec ça je pense que vous dire que je suis une grosse merde. Bon c'est juste pour décorer vite fait. Hop. Trois heures pour en faire ça. C'est long ça. Hop voilà, ça c'est ok. Par contre, j'ai plus de bois pour faire ce que je voulais faire. Est-ce que j'ai du fer? Ouais, mais ça va rendre moche ce que je veux faire. Ok, j'ai du bois. On va déjà essayer de faire quelque chose. Hop. Ok, je vais pas aller loin avec ça. Punaise. Tac. Là, c'est l'épisode de construction zen hein, pour changer. Tac. Hop, construction de merde. Voilà. Voilà, wall again. Bien sûr, j'ai fail. Hein. Ah, il me commence à m'agacer. M'agacer, boule de neige à la con. Alors. Tac. Hop. J'ai pas. Si j'ai boule de neige. Il est où? Rentre chez toi. Hop. Alors. On va dire que ça c'est bon, si j'ajoute un petit truc comme ça. Ok. Bien sûr, j'en aurais pas assez. Ça commence à me gaver aussi dans le. Même en trophac, on peut perdre ça. C'est plutôt chiant. S'il me reste de barrière. Mais je vais crever en plus avec cette popo. Même entre membres de fac, on peut skill quoi. C'est abusé ça.
Ok, il y a un tac. Si, je veux du bois. Et si. Non, ça va être moche. On verra ça plus tard que ça. C'est la dèche en bois, putain. Tac. Ok, moi je suis bête, j'ai le sagecraft, j'oublie à chaque fois. Ok. Dis-moi que j'ai assez, dis-moi que j'ai assez. Ah, bien sûr, il va m'en manquer un. Punaise. Hop, ça n'a plus besoin. Si je repasse conférence, mettre des coffres. Hop, qu'est-ce qu'il fait avec l'île? Hop, on se vide. Est-ce qu'il nous reste du bois? Je suis sûr que non. Et non. Et ouais, super, un bout de bois. Ah, ça peut être pile suffire en fait. Ok. Hop, on prend. Parfait. On va pile assez. Oh, ça me gave. Tac. On remonte. Voilà, c'était l'épisode déco. Allez, salut. Ah, punaise, qu'est-ce que je suis nul en déco. C'est moche. Bon, j'essaierai de l'aménager autrement, une autre fois, parce que là. Ça me prend la tête vu que je suis une merde en déco. Donc je vous dis à tout de suite pour le pillage. Donc relégeant, donc j'ai trouvé la base de la Shaygay Squad. Donc c'est une base full psy, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Il y a quoi là? Ok. Un squelette, on va le kill. Ok. Donc je crois que tous les Xbox sont autorisés, je me souviens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va facebug en 2 secondes. Donc, normalement, si je rebouge bien là et là, et que je fais ça, et home, ISO, est-ce que j'ai bien enlevé map? Ouais, c'est bon. Allez, alors, soit ça me TP dedans, soit ça me TP au-dessus. Voilà. Donc cet homme pi. Donc déjà il y a des coffres. Hop. Donc on va le TP. Je pense pas que ça va être un gros gros pillage, mais je crois que tous les membres de leur fac ils sont gradés, je sais plus. Hop. On va bien voir ça. Donc je vais les prendre un par un les œufs parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur le serveur. J'ai pas envie qu'ils viennent et qu'ils me killent avec. Je ragerai sinon comme un porc. Ok, on va le poser là. OMG, tout ce qu'il y a. What? Du stuff stacké? Ok, j'irai voir avec le staff pourquoi il y a du stuff stacké, mais ok. J'ai du stuff MDR. Bah, je vais les déstacker parce que je pense pas qu'on ait le droit. Donc le staff il verra à la vidéo qu'ils avaient des stuff stackés. Alors je sais pas s'ils ont cheat ou ils ont eu un bug, c'est tout. Mais là vous avez vu, il y avait les stuff stackés. Donc ça avait fait toujours deux pantalons chaos. Chaos. Je sais pas pourquoi je dis chaos alors que c'est chaos.
Hop. Donc en fait c'est plutôt un gros pillage, enfin un gros pillage. C'est pas trop mal. Masse de stuff, masse de popo, ça c'est super les popos par contre. Oh, ils ont le kit sorcier, ok. En fait ils avaient tous les kits et tout. Calme. Ok, qu'est-ce qui est plus intéressant là-dedans? Je vais tout garder. On verra bien. Je pensais pas qu'il serait aussi riche. Là j'ai perdu une pomme shit. Aussi masse de pommes dorées, ça je garde, on sait jamais. Qui sont courts en plus. Je vais reprendre un œuf de creep. Hop. J'espère, je pense que ça va être le premier pillage de KO PVP. Donc comme ça j'innove les vidéos de pillage sur le serveur. La première. Hop, je laisse ramasser ça. Voilà. On va mettre là. OMG, tout ce qu'ils ont. Toutes les popos. Bon, on va plus s'en faire pour les popos, moi. À chaque fois, je les enlève. Je sais plus qui est cool dans leur fac, je sais, c'est lui, je crois. Non! Pourquoi tout a disparu? Oh non, il y a une insuffisance. Oh non. Non, là. Bon, je retourne à la base, je vais chercher les derniers. Ah non, j'ai la haine. Bon, on va reprendre. Bon, moi, je les aurais pas gâchés pour rien, les œufs de creep là. Ah, j'ai grave la haine. Faire péter ce coffre là. Ouais, bien sûr, il n'y a que des popos, mais bien sûr. Donc je vais garder aussi la cob. Ah, ils ont dû participer à l'event de minage parce qu'il y a des blocs de fer. Vu que tout à l'heure il y a eu un event de minage. Hop. Donc à mon avis ils vont quand même bien rager, parce que c'est quand même une passe sous le psy, mais bon. Ah oui, le psy. Je vais prendre. Ok, 13 psy. Toujours bien. Attends, elle est où sa pioche? Oh putain. Donc c'est la même. Ok. Oh, c'est la même que la mienne. Donc comme ça c'est super, c'est une fortune. Un peu d'opsy, toujours au calme. Il reste plus grand chose, je crois. Voilà. Je vais chercher les derniers œufs de creep. Il me reste pas beaucoup. Moi je vais prendre, j'en prends deux. Hein. Autant faire plaisir.
Ça fait zizir. Alors, est-ce que je peux faire péter en même temps? Non. Ok, full heal. Je fais péter l'autre. Ok, full poison. Ah, ok, il récupère le poison. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici hein, pour ce piège qui était plutôt pas trop mal. Donc là, toutes ces popos. Ok, il y a un ange VIP dans leur fac, ça c'est sûr. Et un KO. Minimum. Bon, ça fait plaisir. On va ranger tout ça après. Donc les gens, j'espère que cette vidéo avec ce petit pillage vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Allez, salut!